Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Bayonetta. Et on va tout de suite affronter... Oh là là, ils sont balèzes. Les buter, ça risque pas être une partie de plaisir. Ok, les Kinship. Ok, ça risque d'être chaud. Aou! Ok. Ok, j'en ai presque eu un là. J'en ai eu un. Ok, toi tu vas manger. Non! Oh la vache! Voilà, c'est fait. Pouh. Bah purée, ils m'ont donné du fil à retordre ces deux-là. Mais au moins, on récupère ce qu'il nous faut. C'est une bonne chose. J'en ai bavé. Hein. Seulement du bronze. Bah, je suis déjà content d'avoir du bronze. Et il n'y a pas de loot, juste le Messie. Pièce d'un disque d'hymne angélique, ce n'est qu'un morceau du disque complet. Cool. Et le disque complet, il est où? Hein? Hein? Voilà. Hop là. Pierre lunaire brisée. C'est bon, j'ai une sphère lunaire complète. Cool. Ok, c'est tout ce qu'il y avait dans le coin. Pas plus de loot que ça. Non, apparemment pas. Ok. Voilà, on plonge avec style.
Au. Non mais moi c'est celle du dessous que je veux que tu vises. Ah d'accord. Ok, bon bah on va mourir. Ah, je m'en doutais. Ok. Je serais mort en boucle là depuis quelques épisodes, c'est une catastrophe. Ok, donc donne-moi ça. Voilà, merci. Oh, mais il y avait du loot ici en fait. Voilà. Mais au moins, du coup, je repars avec ma vie complète. Hop! Tac 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 et hop on plonge avec style. Mais où elle tire là? Passé tout à l'heure. Hein. Ah. Non, 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 ça c'était pas bien joué, ça belle. Oh. Oh!
Oh la vache. Non, 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 surtout pas. Allez. Voilà. Non mais alors. Ça c'était un coup de talon. Phew. Ok. Par où je vais maintenant? C'est en face. D'accord. Oui. Ah oui. Ah oui, direct. Ok, alors. Ah. Ah la vache, ils sont chers. Parfum de l'Umbra, ça sert à quoi ça déjà? Sorcière élaborée avec des fragrances uniques, tu revêtiras alors une tenue qui sera parfaite pour aller avec Cool Shedra. Ouais. Peut-être plutôt choisir des techniques. Stiletto. Attaque dévastatrice qui peut aussi être effectuée en l'air. Déplace vers l'ennemi deux fois puis Y. Ouais. Ah quoi qu'on pourrait prendre une forme aussi, hein. Forme de chauve-souris. Ah, ça peut être pas mal ça. Hein, on va voir, on va voir. J'hésite. Déjà, je vais aller chercher. Voilà. C'est chiant que je puisse pas acheter les trois d'un coup en fait. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trésor, ouais, ça c'est parfum de l'Umbra. Sorcière élaborée, tu revêtiras alors une tenue qui sera parfaite pour aller avec Durga. Donc Durga c'est les gants, le truc c'est que... voilà quoi, 30 000 pour une tenue... moyen quoi. Je préférerais les balancer dans... dans un truc un peu plus fun quoi. Forme de corbeau. Invoque la forme d'un corbeau et deviens-en un pour pouvoir voler momentanément lorsque tu es en l'air. Appuie deux fois sur RT rapidement. D'accord. Et la forme de chauve-souris. Appuie sur RT juste après avoir subi des dégâts. Ok. Ouvre un portail magique au-dessus de la tête de ton adversaire, ce qui te permet de lui donner un coup de pied dévastateur. Un coup de pied éthéré sera aussi exécuté, ce qui réduira ta jauge de magie. Appuie sur B en maintenant RT enfoncé.
Ouais. Ok, bon, on verra ça plus tard. Accessoires, il y a peut-être des trucs. Étoile de Dinetta, ça ressemblera à quoi? Légende des Navajo raconte que ces bracelets ont été fabriqués par la sorcière qui permettent de regagner de la santé en provoquant un ennemi. Ouais. Ouais, de toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter ces trucs-là. Et les armes, du coup, j'ai pas les moyens de les acheter. Stiletto, talonnade. Ok. Percute de dos un adversaire qui est près de toi. Un coup de poing éthéré sera aussi exécuté. Allez. On achète Tetsu Sengo. Voilà. Merci Rodin. Et à plus tard quoi. Hein? On s'appelle, on se fait une bouffe. Ok, du coup. Du coup, on va peut-être en prendre une tout de suite. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on peut pas les détruire, les statues. D'accord. Ah, je peux pas... Voilà, mon gars. T'es mort, et c'est fait. Par contre, oui, du coup, où je vais, moi, et comment j'y vais? Selon ce truc. Putain, j'aurais dû en trouver un plus tôt. Voilà mon gars, t'es mort. Ah, ok. Donc là, comment que je fais pour y aller? Là, donne-moi ça. Ah ouais non, mais en fait du coup je suis coincé, je peux pas y aller. Je suis obligé de redescendre. Ah ouais, en fait il faut pas se rater quoi. Oh là là! J'aurais dû acheter la forme de Piaf finalement. Oh là là. Ah et puis à chaque fois il faut tout recommencer quoi.
Oh! Oh là là! Oh, c'est lourd ça! D'accord. Et puis là, bah, comme par hasard, hein, je foire mon coup. Oh là là! Ah oui, non. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Ok, on est arrivé. J'aurais dû acheter la forme de pierre finalement. J'aurais pu voler en fait. Ok, encore un boss. Alors à mon avis, celui-ci, on va le faire à l'épisode prochain parce que là... Ah oui. Ok, mon gars. On esquive tes tornades à deux balles. Aou, aou, aou. Oui, non, Ben, on a dit on esquive les tornades à deux balles. Je sais même pas. Ah, vache. Ok, bon, bah, on le fera l'épisode prochain. Voilà. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'oubliez pas de liker. Bon, je recommence. Vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me lâcher vos commentaires. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Bayonetta. Allez, gros bisous, à demain.